Alors jusqu'à présent, on a parlé de plein de forces fondamentales. On a parlé par exemple de la gravité, on a parlé d'électrostatique, et en fait maintenant on va parler d'une autre force fondamentale de l'univers. Il s'agit du magnétisme. Eh bien en fait, le magnétisme, déjà, je peux t'expliquer pourquoi on l'a nommé comme ça, parce que je trouve que c'est une histoire un peu rigolote. En fait, il y a un endroit en Grèce qui s'appelle la Magnésie. Ça s'écrit comme ça. Et c'est là-bas qu'on a trouvé les premières pierres aimantées, qu'on appelle des magnétites. Et donc ces pierres aimantées, eh bien c'était, si tu veux, les premiers aimants naturels qui ont été trouvés. Et donc c'est pour ça qu'on les a appelés magnétites, vu qu'on les avait trouvés en magnésie. Et ensuite, on a appelé toute l'étude de ces forces-là le magnétisme, en référence, si tu veux, à cet endroit de la Grèce. Donc ça suffit maintenant pour l'étymologie. On va se demander maintenant qu'est-ce que c'est le magnétisme? Eh bien, en fait, j'imagine que tu as déjà une idée de ce que c'est, puisque tu as déjà dû jouer avec des petits aimants. Par exemple, tu sais, il y a des petits jeux de construction. Tu as des toutes petites billes qui sont aimantées et tu peux construire des petites choses comme ça avec. Ou même si tu as déjà utilisé une boussole. Tu sais que quand tu prends une boussole, eh bien, en fait, l'aiguille qui tourne, c'est rien d'autre qu'un aimant. Donc, finalement, c'est une force à laquelle tu as déjà dû faire face. Donc là-dessus, c'est un petit peu comme la gravité, c'est-à-dire que tu l'expérimentes, pas peut-être pas au quotidien, mais la gravité c'est au quotidien, mais en tout cas tu l'expérimentes, tu l'as expérimenté, c'est quelque chose qui ne t'étonne pas. Mais par contre, quand tu penses à ce qui produit ces effets, à l'explication fondamentale de tout ça, eh bien là ça devient vraiment compliqué, que ce soit pour la gravité ou que ce soit pour le magnétisme. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, on va pas essayer de comprendre justement ces causes fondamentales, mais on va essayer de comprendre comment est-ce que ça agit, comment est-ce que ça s'exprime mathématiquement, et notamment, comme on va parler de magnétisme, comment c'est relié à l'électricité. Parce qu'en fait, on verra que l'électricité et le magnétisme, eh bien, c'est comme si c'était la même chose, mais qu'on regardait de deux angles différents. Et en fait, dans notre mécanique classique, on a pour habitude de les différencier, mais que finalement, ces deux choses sont intimement liées. Donc là, je m'égare un petit peu dans les explications, donc on va essayer de prendre déjà un petit exemple. Donc si tu vois, eh bien je prends un aimant comme ça, tu ne seras pas surpris si je te dis que cet aimant il a deux pôles. Et en fait, il y a un pôle qu'on va appeler pôle nord et un pôle qu'on va appeler pôle sud. Et en fait, ces pôles nord et sud, ils sont pas interchangeables, si tu veux. Et ils ne sont pas interchangeables, ça vient, si tu veux, de pourquoi on les a nommés ainsi. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on a pris une pierre de magnétite et on a remarqué que cette pierre de magnétite, elle s'orientait dans la Terre. Et lorsque finalement elle était donc orientée, on disait que la partie de la pierre qui est orientée vers le pôle nord s'appellerait pôle nord de la magnétite et que l'autre pôle s'appelait pôle sud, puisqu'il pointe vers le pôle sud. Et en fait, tu vois, c'est pour ça qu'on a appelé comme ça le pôle nord d'un aimant et le pôle sud d'un aimant par analogie à tout ça. Et alors là, ce qui est plutôt rigolo, si je dessine la Terre comme ça, eh bien la Terre, elle a un pôle nord ici, et en fait, ce pôle nord, c'est celui que tu as appris en géographie, donc c'est le pôle nord géographique. Et en bleu, là, je dessine aussi le pôle sud, qui est aussi le pôle sud géographique. Je n'écris pas géographique. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le pôle nord vers lequel pointe un aimant, eh bien, il n'est pas tout à fait confondu avec le pôle nord géographique. En fait, il est un petit peu décalé ici. Si tu regardes, il est à peu près au niveau du Canada, si je ne me trompe pas, mais là, je ne suis pas sûre. Donc, tu peux aller voir sur Internet si ça t'intéresse. Mais en tout cas, il est un petit peu décalé. Et donc là, on a le pôle nord magnétique. Et en fait, tu vois, c'est la même chose pour le pôle sud. Il va être un petit peu décalé par ici, comme ça. Et donc si maintenant, pas pour simplifier, mais pour imaginer, je dis que la Terre, c'est un gros aimant, ce qui est en fait le cas, hein, je peux dessiner un gros aimant comme ça avec deux pôles. Et là où ça devient un petit peu glissant, c'est qu'en fait, je te dis que le pôle sud, il est ici et le pôle nord, il est là. Et alors là, c'est finalement assez logique, tu vas voir tout de suite. En effet, j'ai dit qu'on avait défini le pôle nord de mon aimant ici, parce qu'il pointait vers le pôle nord de la Terre. Donc il pointait vers ici. Sauf que, je t'ai dit, le magnétisme, eh bien, c'est finalement la même chose que l'électricité, et donc il y a une analogie. Et donc on avait dit que l'électricité, les charges, pardon, opposées s'attiraient, et les charges de même signe se repoussaient. Et t'es pas étonné si je te dis que les aimants c'est pareil, effectivement. Tu sais que si tu mets deux pôles nord ensemble, ils vont se repousser, alors que un pôle nord et un pôle sud, ils vont s'attirer. Donc finalement, tu vois, c'est logique. Si le pôle nord de mon aimant est attiré vers le pôle nord magnétique de la Terre, eh bien ça veut dire qu'en fait, c'est le pôle sud si on considère la Terre comme un aimant.
Donc là, tu vois, c'est un petit peu compliqué, mais c'était juste pour t'expliquer un peu pourquoi on a appelé ça pôle Nord et pôle Sud et qu'est-ce que ça veut dire. Et il me semblait quand même que c'était un peu important. Alors maintenant, on va continuer en faisant des exemples un petit peu plus concrets. Alors, donc en fait, tu vois, je prends un aimant comme ça, hop, et je dis qu'il a un pôle Nord et un pôle Sud. Et finalement, donc cet aimant, tu vois, je peux dire que c'est un dipôle magnétique. Un dipôle magnétique. Et finalement, ce que tu sais, c'est que cet aimant, ou ce dipôle magnétique, il génère un champ. Ça semble normalement quelque chose d'assez logique. Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais rentrer un autre dipôle magnétique dans ce champ, donc assez proche pour qu'il puisse sentir ce champ, eh bien, il va être influencé par l'aimant que je dessine ici. Donc, si je maintenant je rentre un peu plus dans le détail, ça veut dire que si je mets un autre aimant ici, comme ça. Donc il est dans le champ du premier aimant. Eh bien, si ici j'ai un pôle sud et ici j'ai un pôle nord, eh bien, ces deux aimants vont être attirés l'un vers l'autre. Alors que si je dessine la même chose ici avec le pôle nord ici et le pôle sud, et donc dans ce cas-là, le pôle sud et le pôle nord, eh bien, ils vont être repoussés puisque les deux pôles sont les mêmes. Donc jusque-là, tu vois, c'est logique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire d'accord. Ici, j'ai cet aimant-là. Eh bien, ce que je fais, c'est que cet aimant, eh bien, en fait, je le casse. Je le casse en deux, de telle manière à ce que j'obtienne deux aimants ici, comme ça. Et alors là, à ton avis, est-ce que j'aurai d'un côté le pôle nord et d'un côté le pôle sud? Eh bien, là, il se passe quelque chose d'un petit peu magique. En fait, si tu casses un aimant, eh bien, tu vas re-avoir ici un pôle nord et ici un pôle sud, et ici un pôle nord et ici un pôle sud. Et si tu recasses cet aimant-là en deux, eh bien, ça va être pareil. Tu vas réavoir ici un pôle nord, un pôle sud, un pôle nord, un pôle sud. Et en fait, tu peux continuer à faire ça jusqu'à un atome, jusqu'à un électron même, et tu verras qu'il y aura toujours deux pôles. Et que finalement, c'est la grande différence par rapport à l'électrostatique, c'est que tu vois en électrostatique, tu peux bien avoir une charge de plus ici et une charge de moins là. Elles existent indépendamment l'une de l'autre. Et rien ne m'empêche d'avoir un élément qui est chargé, tu vois. Alors qu'en magnétisme, eh bien, c'est pas possible. Il y a toujours, toujours, toujours un dipôle magnétique. En fait, en électricité, on parle de monopôle, donc de monopôle positif ou de monopôle négatif. Et en fait, le monopôle magnétique, alors il existerait théoriquement. Mais dans la nature, on ne l'a jamais observé. Il n'y a vraiment que des dipôles. Et tu vois, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu descends jusqu'à l'échelle de l'électron, eh bien en fait, l'électron lui-même, c'est un dipôle magnétique. Alors là, je rentre dans quelque chose d'un petit peu compliqué, mais l'électron, eh bien, il possède ce qu'on appelle un spin. Et c'est finalement un petit aimant. Tu peux considérer que cet électron, c'est un aimant. Alors, tu vois, là, c'est un peu compliqué parce que est-ce que l'électron, c'est une particule ou est-ce que c'est juste de l'énergie? En tout cas, ce que je te dis, c'est que cet électron, il a un champ magnétique. Et donc, s'il a un champ magnétique, on peut le considérer comme un aimant. Donc finalement, ce que ça veut dire, c'est que tu vois, même la particule la plus petite, eh bien, elle est un dipôle magnétique. Et c'est finalement assez rigolo parce que si maintenant on fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on part de l'électron et on remonte à notre gros aimant qui était ici, eh bien, ce qui produit l'aimantation de mon aimant, eh bien, c'est justement ces spins électroniques ici dont je viens de te parler. En fait, tu vois, dans les aimants, eh bien, ces spins, ils vont tous être plus, si tu veux, alignés entre eux, ou en tout cas, ils vont être ordonnés de manière à ce que macroscopiquement, donc si tu regardes tout ça à l'échelle de l'aimant, eh bien, tu sentes l'influence de ces spins électroniques additionnés les uns aux autres et que finalement, ça te crée un grand champ magnétique. Alors que finalement, il y a d'autres matériaux où ces spins, ils existent toujours parce que tous les électrons ont un spin, mais donc, ils vont être les uns par rapport aux autres complètement désordonnés, de telle manière qu'au final, eh bien, ils s'annulent complètement. Tous ensemble. Donc au final, ça crée un champ magnétique qui est nul. Donc j'espère finalement là que je t'ai donné un petit peu, j'ai confirmé les intuitions que tu avais, que je t'ai expliqué un peu pourquoi est-ce que certains matériaux étaient magnétiques et pas d'autres. Et donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo où on va en fait expliquer qu'est-ce qui se passe quand on met une charge dans un champ magnétique.